Tout ça, c'est pour réduire la circulation des voitures, n'est-ce pas, Alexandre ? Tout à fait. D'ailleurs, à ce propos, moi, je n'ai pas de plomb, mais dans la cervelle. D'accord. Alors, Philippe, notre invité a une vie de rhum en photo. Hein. Moi, je suis jaloux. Bah ouais, parce que son père savait pas quoi faire de lui. Il l'a mis à Paris Match. Alors que moi, mon père savait pas quoi faire de moi, donc il m'a mis à la porte. Enfant, chez lui, il croisait Guitry, Jouvet, Bogart, quand moi je croisais Dodo la Saumure, Nanar le Pétard et Natache la Calache. Il a eu deux paires, alors que moi, déjà avec une seule paire, j'ai bien du mal. Il a rencontré les Beatles à Beyrouth, alors que moi j'avais une New Beetle à Beyrouth. Il a couché avec Françoise Hardy, quand moi j'ai pris un râteau avec Marie-Ange Nardi. En plus, il est courageux. Et c'est vrai l'histoire. Mais c'est vrai, bien sûr. C'était mon employé, je te rappelle, Nardi. Ah, elle vous l'a dit? D'accord, que je m'étais pris un râteau. Non, mais je suivais la vie de mes employés quand même, pour être sûr qu'ils seraient encore là le lendemain. Je te rappelle que c'était une quotidienne que c'est vous vrai, faisiez. C'est vrai. Bon, allez, vas-y, travaille. En plus, notre invité est courageux. Eh ben oui, il a quand même dormi avec Claude François. Elle a passé sa nuit avec celui qui a chanté « Je tiens un tigre par la queue ». Tout éclate, tout explose. Viens à la maison, il y a le printemps qui chante. Je vais te montrer mon petit oiseau. Bah moi, j'aurais flippé. Il paraît que c'est même après leur nuit commune que Clo-Clo a écrit « Je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas, j'ai l'habitude. Sur toi, élégant. Je remonte le drap. J'ai peur que tu aies froid. J'ai l'habitude. Ma main caresse tes cheveux. Presque malgré moi, j'ai l'habitude. » Mais toi, tu me tournes le dos, j'ai l'habitude. Bon, en plus, ce mec a fait un fric fou en développant des tonnes de pellicules, quand moi, je dépense une fortune en pétrolane pour empêcher que les miennes se développent. Il gagne sur chaque tirage, quand moi, je perds à chaque grattage. Et puis, c'est le meilleur pote de Jacques Dutroux. Vous savez, celui qui a chanté « Petit, 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 tu es Mimi au fond de mon lit ». Robe à smoker, mini-jupe, même les moches et même des putes. Non, c'est bizarre quand même, hein, on est d'accord. Mais c'est l'obsession, hein. Dis-donc, chez toi ce matin. Et puis c'est le roi des balances. En prison, il aurait fini au fond des douches avec un petit Marseillais coincé dans sa chambre noire. Et c'est pas du savon que je parle, sauf que lui, c'est uniquement les balances des blancs. Bon, si Marine Le Pen nous écoute, c'est pas la peine d'essayer de l'encarter, il n'a rien contre les couleurs. Son travail le prouve. À 52 ans, il a vécu avec une jeune de 17 piges. À la fin des dîners, ses potes lui disaient « Putain, qu'est-ce qu'on aimerait bien être à ta place ?» Alors que moi, qui vis avec une femme qui a 37 ans de plus que moi, « Bonjour Odette chérie, je passe à la TSF !» Oui, oui, avec Philippe Gildas, avec qui t'étais en CM2. Non, excusez-moi, non, c'est parce qu'elle a son sonotone qui déconne, c'est pour ça que j'ai un peu crié. Ta TSF contre... aussi, hein, dis-donc, excuse-moi. Par contre, Odette est épilée intégrale, mais naturellement, elle. Bon, bref, moi, mes potes, à la fin des dîners, ils me disaient « Putain, qu'est-ce qu'on aimerait pas être à ta place ?» Pour finir, je dirais que pour un mec qui, dans la vie, n'avait pas d'objectif, devenir photographe des stars, c'est limite une provocation. Alors Philippe, vous savez de qui je suis jaloux ? Bah écoute, vraiment, comment avec tous ces détails, sauf tes détails intimes, hein, alors là vraiment là-dessus, je ne garantis absolument rien. Mes sources rien. Ne sont pas sûres. En revanche, comment pourrais-je ne pas reconnaître un ami de plus de 40 ans, ça c'est vrai, en vérifiant d'ailleurs, c'est peut-être même, je le regarde, peut-être au moins 50 ans, ça fait 50 ans qu'on se connaît au moins, n'est-ce pas Jean-Marie ? C'est Jean-Marie Perrier, bonjour. Bonjour mon ami, bonjour. Ah, c'est un grand plaisir que de te recevoir. Je suis content de me faire traiter de PD le matin au réveil.